Monsieur Dominique Filleul, président de Horizon Paris 2024. Monsieur Malepa, président de MPC. Le staff d'Intel, les officiers du ministère, Randy et son coach Maxwell, Eric, Eddy Souris et son coach Fabrice. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous voilà réunis cet après-midi pour célébrer le sport, le handisport, grâce à Intel. Je vais maintenant faire une brève présentation des athlètes. Brandy fait son début dans l'handisport en 2013 avec le tennis, un handicap physique à rajouter l'eau au jeu des eaux. En 2016, Brandy eut un award pour les Jeux paralympiques à Rio. Et un mois après, elle réalise le minima B pendant une compétition en Allemagne. Pendant les Jeux de Rio, elle améliore encore une fois son chrono. En 2017, MC Vision sponsorise Brandy en lui donnant un fauteuil d'athlétisme. En 2017 et 2019, Brandy réalise les minima pour participer au championnat du monde et s'en sort avec des beaux chronos. De 2018 à 2021, Brandy continue à s'entraîner et à surmonter les obstacles avec son coach et mentor Maxwell. En 2021, oui, cette année-ci, elle nous fait vibrer pendant les compétitions en Suisse avec ses excellents chronos. Elle termine avec deux high performance standards et un minimum entry standard. 100 m T54, high performance standard. 400 m T54, high performance standard et record d'Afrique. 800 m T54, minimum entry standard. Notre cher ami Eddy. Eddy est le premier handisportif rodriguais qualifié pour les Jeux paralympiques. Médaillé d'or aux 100 m T20 aux Jeux des îles 2019. 2019 toujours, Eddy fait sa première compétition internationale au Maroc avec un saut de 5 m93. Ensuite en Italie avec un saut de 6 m29. Il participe aussi au championnat du monde à Dubaï, où il termine 7e avec un saut de 6,58 m. Ce saut de 6,58 m équivaut à un minimum entry standard pour la longueur T20. Eddy continue à s'améliorer de 2019 à 2021. Il améliore son performance en 2020 aux championnats nationaux avec un saut de 6,84 m. Et en 2021, au championnat régional de 7,10 m. L'honorable Stéphane Toussaint, ministre de l'Environnement, des Sports et des Loisirs, monsieur Jean-Marie Malepa, président du comité paralympique mauricien, mademoiselle Brandy Kering, monsieur Eddy Kador, membre ONG Club Independent Sport Association, chers collègues d'Intel et amis de la presse, bon après-midi et bienvenue à tous. Je pose sur nos valeurs d'entreprise qui sont la passion, la prévoyance, l'ouverture d'esprit, la responsabilité et l'intégrité. Ces valeurs nous servent de boussole pour guider notre chaque action, chaque opération que nous menons, que ce soit au niveau commercial, managérial, sociétal ou environnemental. C'est dans cette optique de contribuer à une société plus inclusive que nous avons décidé d'apporter notre soutien à ces deux jeunes athlètes qui ne cesse de faire briller notre quatricolore. Monsieur Jean-Marie Malepa et toute son équipe, le club de Cuiabá,
Et bien sûr, sans oublier nos deux athlètes du jour, Brandy et Teddy, ainsi que leurs entraîneurs, les membres de la presse, Monsieur Fiel, président du comité Paris 2024, les officiers du ministère. Alors, un très grand moment, oui, un très très grand moment, parce que nous parlons des Jeux paralympiques. En ce moment, les Jeux olympiques continuent et nous avons vibré avec nos athlètes aux Jeux olympiques et nous voyons des choses extraordinaires, magnifiques, les différentes compétitions sportives. Et certainement, nous allons aussi vibrer avec les Jeux paralympiques à partir du 24 août. Nous allons vibrer parce que, historiquement, comme on l'avait dit la dernière fois, donc Maurice a pu qualifier des athlètes handisport pour participer aux Jeux paralympiques. Et nous sommes dans une situation spéciale avec la COVID-19. Donc les Jeux auraient dû avoir lieu l'année dernière, ont été repoussés à cette année. Les stades sont vides, les gymnases sont vides, mais nos athlètes, les athlètes du monde entier ont l'occasion de participer dans leur compétition. Et en ces temps difficiles, je dis chapeau et je dis un énorme merci à Intel. Je comprends que la situation économique n'est pas tout rose et qu'il faut reconstruire tout doucement. Malgré cela, donc la compagnie Intel vient en aide au sport mauricien. Alors, je crois que la compagnie et toute l'équipe, vous méritez un très, très, très grand applaudissement de notre part. Et vous avez compris l'importance de soutenir nos athlètes. L'État seul ne peut pas tout faire. L'État seul ne peut pas tout faire. Les ressources ne sont pas illimitées. Et c'est en travaillant ensemble, l'ami de l'ami, comme on sait bien le faire ici dans la République de Maurice, que nous allons pouvoir faire avancer les choses. Et ici, c'est la cause du sport. Et merci aussi, ce n'est pas un sponsor là pour l'instant seulement, mais c'est un parrainage à long terme. Nous avons démarré le projet Paris 2024 depuis 2019. On a commencé à y réfléchir. Et donc, nous avons besoin de partenaires dans ce projet. Et quand on avait commencé les discussions au début de 2019, cela paraissait loin, M. Fiel. Mais baptisé, Paris 2024, fini arrivé. Alors, c'est là, dans 2 ans et demi, allons dire que après les Jeux de Tokyo, nos athlètes en général, ceux qui sont bénéficiaires de Paris 2024, ben, vous n'aurez qu'à peu près 2 ans et demi pour vous préparer pour les Jeux de Paris. Et sans nul doute qu'avec le soutien du secteur privé, aujourd'hui nous parlons de Intel, sans nul doute nous allons pouvoir avancer et nous allons pouvoir faire progresser nos athlètes. Et bien sûr, nous vous souhaitons un bon déplacement. Et tout comme l'équipe avait fait, il faut que je le redise, hein, c'est important pour la population. Donc une délégation avait été participer à une compétition en Suisse. Donc, et je le redis encore une fois, c'est bon, peut-être que les autres personnes ne sont pas trop, au courant. Donc, cette délégation de handisport, les entraîneurs sont partis en Suisse et ont fait leur compétition. Pour le retour, ils sont passés par Paris, ils sont retournés, ont fait leurs 14 jours, leurs 14 ans. Et je dis bravo encore une fois. Personne n'est tombé malade, vous êtes. Pas un cas de COVID dans la délégation. Imaginez donc toute une équipe qui bouge, qui quitte le pays, qui va dans une compétition, qui passe par Paris, qui revient. Pas un cas de COVID. Alors vous êtes des exemples pour la population. Et je suis sûr qu'en prenant les mêmes dispositions, les mêmes précautions sanitaires, tout va bien se passer à Tokyo. Vous allez partir, vous allez vous faire vibrer, vous allez retourner en très bonne santé. D'ailleurs, tout le monde, vous avez fait aussi votre vaccin, c'est très important. Alors, on vous souhaite tout le bonheur de pouvoir participer à des Jeux aussi grandioses que des Jeux olympiques et paralympiques aujourd'hui pour nos amis présents.
Donc, Brandy et Eddie, donc nous sommes de tout cœur avec vous, ainsi que nos deux autres représentants, Noémie et Anaïs. Donc, nous sommes de tout cœur avec toute l'équipe qui va les accompagner. Et comme on a l'habitude de dire, ben, allez Maurice, mange-en-lit, fais-nous vibrer, fais-nous les pierres contents. Merci pour votre attention. J'invite M. Saoud Edou, Mme Boudon, M. Malepa à s'avancer, ainsi que Brandy. Excusez-moi, pardon. Ah, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. J'invite maintenant Eddie à s'avancer pour la première mise officielle. Merci beaucoup.